Bonjour, Luciano Biondo. Je dirige Toyota Motor Manufacturing France à Valenciennes, site de construction de la Yaris pour le marché européen et nord-américain. Nous sommes 4200 employés à Valenciennes. L'année dernière, nous avons produit 250 000 Yaris, dont 60% en hybride électrique. Pour la simple raison que dans la stratégie Toyota, on vient construire là où sont nos clients. Et si on prend dans un rayon de 300 km, on voit bien qu'on a la possibilité d'avoir 100 millions d'habitants, donc 100 millions de clients potentiels dans cette région. Nous avons pris un engagement en 2017 d'embaucher 300 personnes en CDI et en janvier 2018 de porter à 700 personnes cette embauche en CDI. Donc on est aujourd'hui devenu un développement responsable à travers la pérennisation d'emploi, le développement économique et puis aussi à travers quelques actions. La première, c'est notre travail avec les lycées. Nous avons des stagiaires école entreprise et qui sont des salariés TMF et qui viennent aider les lycées à se développer et à éviter le décrochage scolaire. Toyota, dans l'objectif de livrer une voiture encore plus performante en termes de consommation, plus maniable, plus de confort de conduite pour le client, a développé ce qu'on appelle la TNGA, Toyota New Global Architecture, qui vise à faire en sorte que les voitures peuvent être à la fois modulables, mais aussi utiliser des pièces plus adaptées aux produits et en tout cas minimiser le nombre de pièces qu'on peut avoir dans une voiture entre différentes voitures, ce qui peut permettre, et c'est pour ça que c'est notre ambition, ce qui peut permettre demain de peut-être produire non pas une seule voiture à Valenciennes, mais deux voitures et de pouvoir encore améliorer notre compétitivité. Le conseil que je peux donner, c'est que les Français, ils ont besoin d'être impliqués, d'être valorisés dans leur travail à travers des challenges qu'on leur donne tous les jours.